Jodi an, c'est dimanche 13 novembre 2022 et titre leçon nous pour jodi an, c'est l'espoir au-delà de cette vie ou encore l'espérance au-delà de cette vie. Non pas mes frères Jorab, Étienne, fermez yeux, baissez tête tout, en nous prier ensemble papa bon Dieu. Adorable mystère, papa nous qui avons dans ciel yo, comment pour nous pas dire merci pour grâce ou l'amour manifesté envers nous. Merci pour parole ou voyez pour nous chaque jour. Merci pour Saint-Esprit ou toujours qui te bon côté nous pour aider nous comprendre parole. Au Seigneur, yon l'autre fois encore, semaine ça, n'a continué à étudier parole nous. T'en prie, assistez nous. Fais grâce souple. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonsoir, amis. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous, pour nous continuer étudier ensemble parole bon Dieu. Pas oublier, avant nous étudier, ou nous chanter musique ça sous canal là, et c'est je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Ou chanter musique ça, ou prier, et puis ou venir étudier. Lorsqu'on fin étudier, ou à chanter dernière musique nous mettait hier vendredi, qui c'est Prends Seigneur, prends toute ma vie, à toi seul je veux obéir. Yon belle musique, et puis l'on finit chanter musique sa yo, partager musique yo, partager le son yo. Alors, c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous, tant qu'on y est chaque jour, pour nous continuer à étudier ensemble, parole bon Dieu. Nous dit papa bon Dieu merci, et nous même, ou même nous disons un gros merci. Semaine ça, c'est 8e leçon nous dans questionnaire ça, leçon 8 qui gagne pour titre, l'espérance du Nouveau Testament. Nous te gagne 14 semaines pour nous passer ensemble. Semaine ça, c'est 8e semaine, non? L'espérance du Nouveau Testament. Yon belle leçon, yon leçon pral vraiment intéressant. Et ça fait, moi, remercie vous déjà parce que m'on connaît, wap, invite au monde pour étudier leçon ça ensemble avec vous. Verset, nous pral gagne pour nous méditer sur lui pendant toute semaine ça. C'est 1 Jean 5, verset 11-12 qui dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Toute semaine, on a dit ça, pas gain la vie sans Jésus. Maintenant, si Jésus c'est la vie, ou dit, ou pas besoin de Jésus, ça veut dire, ou pas besoin de la vie. Si ou pas besoin la bon en imaginons regardez c'est Jésus qui gagne la vie a, et vous dites ou pas besoin ou pas besoin la vie et la Bible claire pas gagne la vie sans Jésus la Bible pas dit pas gagne la vie sans l'argent non il a parlé là de la vie éternelle la vie pour tout temps OK la Bible claire pas gagne la vie sans Jésus la Bible pas dit non depuis ou pas gagne l'argent ou pas gagne la vie. La Bible pas dit de pou pa gen manger ou pa gen la vie. La Bible dit de pou pa gen Jésus ou pa gen la vie. C'est ça qui fait toute semaine ça appel la fête avec pour mettre Jésus dans bac aux amis. Alors qui t'aime profiter souhaiter une bonne semaine à la gloire de Dieu. Merci à tout le monde qui partage canal ça, qui mettez like, qui fait commentaire. Bienvenue ou même qui fait venir sur canal là que bon Dieu dans l'amour continuez bénir en abondance. Et hier nous t'ai metté introduction leçon ça. Sous pour côté garder al garder et pas oublier sur Facebook là n'a tant nous pour al supporter travail ça ou même qui là avec nous sur YouTube là n'a tant nous connait pour al partager ensemble avec nous sur Facebook là tout. Je dis c'est l'espérance au-delà de cette vie. Est-ce que gagnons espoir après vie ça n'a vivre là? Après 30 ans nous vivons là, ou bien 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, gen moun ki viv 80 années. Après tant ça, est-ce que gen yon l'autre vie? Pour moun ki pa kwen dans la Bible, yo di, gade, depuis nous mouri, corps ça, li te prison nan nan, li lagé nan nan, nan nan vivon l'autre côté. Nan nan vivon l'autre côté. C'est-à-dire, après vie, ça pour yo gen yon l'autre vie qui existe. OK mais moi même ensemble avec ou cap étudier la Bible nous connaissons l'autre vie qui existait après vie ça mais nous pas comprendre les mêmes gens à monde qui pas étudier la Bible nous comprendre que après vie ça lorsque nous mouri quand nous retourner dans poussière là souffle à retourner à jeune bon Dieu n'a proposé là maintenant lorsque Jésus retourner il pral ressusciter nous pour côté nous pral vivre pour tout temps et c'est là que pral gagner la vie éternelle là OK moun ki pa kwen dans la Bible yo kwè gon l'autre vie qui existe vrai mais c'est sans corps corps pa existé
OK, moi ensemble avec qui croit dans la Bible, nous croit bon Dieu pour le bail nous un nouveau corps, monde qui était mort lorsque il ressuscité, a ressuscité avec un autre corps. Moi-même ensemble avec vous qui pas mourir lorsque Jésus retournait, qu'on nous a transformé, c'est-à-dire a gain vie après vie ça n'a vivre là 30 ans 40 ans moment difficile n'a passé là, gain l'autre vie qui réservé, mais c'est non encore transformé, et c'est lorsque Jésus retournait. Dans le son jeudi, hein, je dis nous gon historien qui relé Hérodote, 5e siècle comme ça avant Jésus-Christ, dans Grèce, dans Grèce antique, monsieur t'est écrit sur une tribu, dans tribu ça mon yo t'ai gagné une coutume, chaque fois yon ti moun fèt, yo tout commencé un moment de deuil. Yo tout commencé nou tant ka di en Haïti nous konn sa rele deuil. En Haïti généralement moun yo pote rad noir bay sa yo, c'est un coup pour annoncer tristesse, pour annoncer que yo pas content. Et ben dans tribu ça, chaque fois yon ti moun fèt, moun yo tout commencé fait deuil pour ti moun nan. Pour qui ça? Yo anticiper toute souffrance si moun nan pral passer lorsque le grand monde. Si ti moun nan vive 82 ans, on connaît le pral passer en pile misère. Maintenant, yo tout commencé porter deuil pour lui, yo tout commencé souffrir pour lui. Alors, grand monde qui ka wè ça paraît un petit gens illogique, mais le font sens parce que quel que soit monde qui vive là ou fait jodi an ou connaît ou tout fait c'est pour mourir. OK? Ou tout fait c'est pour mourir. Et dans le son on dit nous, des millénaires plus tard, gagnon publicité en Amérique qui t'a écrit bah ça, pourquoi vivre si vous pouvez être enterré pour 10 dollars. C'est-à-dire moun yo connaît que y a mouri. Tout moun connaît que nous pas venir pour nous vivre pour tout temps. En Haïti, yo t'a dit nous pas venir pour nous faire zopier la tête. Tout moun connaît que un jour y a mouri quand même, c'est pas sans raison qui fait après en Haïti gan pile et pas seul Haïti. Tout côté gan pile maison d'assurance côté moun nan commencé paye un cob pour lorsque li mouri pour le capable enterrer parce que le guetan connaît la mouri. Tout moun net k'ap viv connaît un jour y a mouri. Ça participer dans la vie nous vivre ensemble avec lui. Et yo dit nous gen un penseur qui t'a qualifié les humains de rien que des morceaux de chair en décomposition sur des os en désintégration. Yon penseur, oui, yon monde qui t'a réfléchi, qui dit l'être humain c'est un paquet de viande qui peut décomposer sous un paquet de os qui gardé qui déjà a brisé. C'est-à-dire l'être humain moun nan même définition c'est la mort d'après ça et penseur ça dit. Maintenant tout le monde d'accord que n'a mouri. Mais moi ensemble avec nous gon espérance en Jésus-Christ. Jésus t'est mouri, li ressuscité. Moi ensemble avec vous nous gon espérance. La leçon aujourd'hui on mandé nous pour nous lire 1 Corinthiens 15 12 19, nous pas oublier tout parce que li anti Jean long ou même moi prend temps pour lire tout pour nous capable répondre question ça. Qui lien étroit qui gagne entre la résurrection de Christ et espérance de notre résurrection? Qui lien qui existe? Nous lire ensemble avec moi 1 Corinthiens 15 verset 12. Nous commençons dans verset 12, même là nous pas plus tout. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Gon quantité moun nan époque pour là qui pas te croit que les morts yo te mort ressuscité, ça du Seigneur par exemple, yo pas te croit que les morts ressuscité, yo pas te croit dans bagaille ça yo. Et je dis à gen moun qui pas croit que gade moun qui mouri après ressuscité, gen moun ki pas croit ça. Mais la Bible dit oui, ça existait. Et verset 13 là, il n'y a point de résurrection des morts. Christ non plus n'est pas ressuscité. Si ou dit pas gen résurrection, eh bien Jésus pas te ressuscité. La Bible pas menti. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Si Jésus pas te ressuscité, regardez, ça n'a prêché yo pas gen sens. Puisque c'est Jésus nous doit prêcher. Et verset 16 a dit que si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et question te pose nous, qui lien qui gagne entre résurrection Christ à résurrection et à résurrection moi ensemble avec vous ou bien résurrection tout le monde en général gagne une relation de dépendance. C'est-à-dire puisque Jésus ressuscité moi ensemble avec vous n'a pas ressuscité si nous t'a mouri avant Jésus retourner. Alors la mort Jésus li bay garantie
que moi ensemble avec vous n'a ressuscité. Verset 17 l'a dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Pas oublier Jésus est venu pour mourir, pour sauver moi ensemble avec vous, pour racheter moi ensemble avec vous bas péché. Paul dit maintenant si Jésus pas ressuscité jusqu'à présent péché nous pas pardonné et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus si Jésus pas ressuscité vrai moun qui mouri en Jésus pas espoir pour yo tout bagaille fini pour yo si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes mais maintenant Christ est ressuscité des morts il est les prémices de ceux qui sont morts. Il y a pile monde qui pas de quoi dans la résurrection longtemps que monde mourir ressuscité. Il y a pile monde qui pas de quoi et je dis il y a pile monde qui continue pas quoi. Et apôtre Paul dit moi ensemble avec nous doit quoi si monde mourir pas ressuscité, eh bien Jésus pas te ressuscité tout et si Jésus pas te ressuscité, pas gain espoir pour moi ensemble avec vous. C'est question la poser mais moi ensemble avec vous étudier parole bon Dieu nous connaît Jésus t'est ressuscité et garder les morts en Christ il a ressuscité et gain espoir pour monde qui mourit en Jésus-Christ. Alors dans 1 Corinthiens 15 verset 32 il dit si les morts ne ressuscitent pas mangeons et buvons car demain nous mourons si monde mourit pas ressuscité vrai ben rete nous vivre j'en voulais fonctionner j'en voulais nous pas gain pour n'a garder prend soin veiller corps nous pour rien nous pas gain pour n'a faire effort pour rien nous pas gain pour n'a efforcer nous pour rien si lorsque nous mourir quel que soit monde qui mourir en nan moi al vivre éternellement nous pas gain raison pour n'a chercher vivre en façon OK nous pas gain raison pour n'a chercher vivre en façon qui digne devant la société nous ca manger nous boire nous prendre plaisir nous et puis tout bail fini tout ça n'a fait jodi nous doit faire yo avec et dans tête nous que nous gagnons espérance nous gagnons monde n'a travail pour lui nous pas n'importe monde nous pas doit faire n'importe bagarre nous doit mettre ça dans tête nous doit mettre ça dans tête nous parce que gagnons bagarre qui réservé pour nous doit vivre à ça dans tête nous frère sœur zanmi bam zon bagarre nous gagnons bagarre intéressant que bon Dieu a préparé pour nous Jésus a préparé pour nous et là pour retourner venir chercher nous maintenant quel que même si vous t'es vivre 60 ans sous terre ça même si vous t'es vivre 30 ans sous terre ça même si vous t'es vivre 10 ans sous terre ça même si vous t'es vivre 110 ans sous terre ça bon Dieu réservé pour moi ensemble avec vous dans l'au-delà dans l'autre vie regardez ces bagages qui pral intéressant ces bagages qui pral ou pral dit moi pas regrette parce que moi t'ai kembe confiance moi dans bon Dieu. M'pa regrette parce que moi t'ai marché Jean bon Dieu m'a dit. M'pa regrette parce que m'pa te kon voler. M'pa regrette parce que malgré ba yo t'ai dur, malgré souffrance yo t'ai dur, mais moi t'ai rete connecté à bon Dieu. Pral dit que ou pa regrette bagay sa yo. Parce que le ciel vaut tout pour nous. Et si nous perdons le ciel, nous perdons tout. Frère Maxime yo zanmim à nous vivre avec espérance ça à nous conserver espérance ça espérance de la vie éternelle espérance que gen belle bagaille bon Dieu réservé pour moi ensemble avec vous ça bon Dieu réservé pour moi ensemble avec vous même les nous t'a perdu quel que soit ça nous perdu sous terre ça il y a des li pas jamais égal li pas jamais rapproché à ça bon Dieu réservé pour moi ensemble avec vous gen espérance au-delà de cette vie frère rester ferme dans la foi. Pas laguer, pas décourager, pas abandonner. Prier chaque jour pour bon Dieu aider, pour bon Dieu kembe ou et bon Dieu a pu accorder ou grâce li et ou a pu rester quel que soit ça qui t'arrive en face ou a pu camper pour capable tendre, pour capable vivre belle espérance ça que ou gagne jodi. N'a pas demain si Dieu veut, demain si Dieu veut c'est je reviendrai. Il y a l'autre belle partie leçon que vous pas rater pour rien pas oublier sur mes travail frère jour à faire puis bonne façon qu'à supporter travail ça c'est mettre un like partager avec un autre monde 10 jours à bon 10 frères jour à bon petit mot pour encourager et garder ou après petit carré apparaître là à chanter ensemble avec moi prends Seigneur prends toute ma vie à toi seul je veux obéir que bon Dieu bénisse.